Bonjour et bienvenue sur Mille et une prises, l'émission consacrée au métier du cinéma et du spectacle. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un acteur d'une série phare, Ambroise Michel. Mais aussi producteur, scénariste, réalisateur, nous l'avons suivi toute une journée à Marseille pour son court-métrage « Guet-apens ». Peut-être un peu plus serré. On se fait juste une répétition, s'il vous plaît. Remettez-vous en position de départ. Et... action. Après, tu recadres vraiment serré sur... qui est presque la nuit. Pour la serveuse. Cadre de ça. Tu peux juste décroiser. Ah non, tu vois là le... Non, le pied, je ne vois pas. Ah oui, t'es vraiment serré. Décroise, c'est juste pour que la valise soit... Je veux vraiment une vraie changement de mise au point. On est très serré, mais c'est sur des détails. Et ouverture et point sur l'ouverture ou ouais, d'abord là-dessus, action. Donc sur ce court-métrage qui s'appelle Guet-apens, tu es comédien, réalisateur. Quels sont tes autres rôles? Co-auteur et producteur. J'ai cru comprendre que c'était aussi un projet d'amitié. Je pense que c'est en fait... le cas tout le temps en fait. Je ne veux pas faire ce métier sans ça. C'est-à-dire que j'ai besoin, il y a des énergies dans mes amis qui sont tous des professionnels hein, d'ailleurs, mais que je ne pourrais pas me passer sur un tournage quoi. Je ne le conçois pas, en tout cas en tant que réalisateur, je ne le conçois pas comme ça, autrement que comme ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de ces énergies-là autour de moi pour me canaliser, pour me donner de l'énergie, pour me donner juste de la joie aussi, d'être content aussi d'être là. Et c'est des médiateurs aussi, vachement, avec les autres techniciens que je peux moins connaître, etc. C'est vraiment une... C'est pas... Je suis pas seul responsable du produit, quoi, du film. C'est vraiment un esprit d'équipe, quoi. Et c'est le seul truc qui m'intéresse. Si je me retrouve tout seul sur un projet, et le seul responsable de ça, ça m'intéresse pas. Mais de toute façon, il ne peut être bien que si tout le monde s'entend bien. C'est pas très difficile. C'est pas insurmontable, quoi. C'est cool. C'est une difficulté qu'on aime bien. Je le valide, et une fois qu'il est validé, c'est du premier plan. Hein. Vraiment... Sachant qu'il faut bien expliquer à tout le monde que c'est du raccord. Ce qu'ils vont faire là, vous le faire précisément. Il faut bien que les filles elles soient là pour s'occuper de lui. La rescousse, quoi. Ah voilà, exactement. Les deux. C'est ça l'amitié. Hein. Voilà, c'est ça les deux anges gardiens. Voilà. Avec mes amis, je me complète pour tout en fait. Même si ils ont l'impression de ne pas en faire beaucoup. Il faut que je leur dise merci, j'ai rien fait. Si, tu te rends pas compte, mais si. Juste parce que c'est une question d'équilibre d'énergie. Ou des fois, moi, je vais être un peu dans le speed et tout. Et eux, ils vont ramener un côté beaucoup plus calme sur plateau. Donc, c'est important. C'est un vrai équilibre. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre un long métrage et un court métrage? Bon, ça n'a rien à voir. Par définition, un court, ça doit être une claque. Enfin, pour moi, en tout cas, ça doit être une claque esthétique et dans ce qui est raconté, dans le fond et dans la forme. Et c'est vraiment un exercice de style, le court-métrage, pour après pouvoir montrer aussi comme carte de visite de ce qu'on est capable de faire dans le long. Un court-métrage, c'est vraiment un instant où on doit être dedans dès le début. Et quand ça se termine, on doit être encore un peu chamboulé dans le truc, etc. Alors qu'un long-métrage, on peut prendre le temps d'avoir une exposition, de rentrer dans l'histoire, d'avoir un dénouement, d'une intrigue, tout ça, etc. C'est un long-métrage travaille beaucoup plus comme en littérature qu'un court-métrage. Un court-métrage, c'est un truc à part. Peut-être comme un poème, peut-être comme un... C'est comme des textes courts, des textes plus longs, quoi. Ce qui m'importe, c'est la façon dont il y a la serveuse. C'est-à-dire qu'au moment où tu baisses le mouvement, elle part. Et tu redescends sur les filles, tu cales, et tu laisses en suspens. Bien, c'est bien ce que tu as fait, parallèle. Casquette, ça, le truc était fluide. C'est juste qu'il y a... Non, mais oui, il y a eu deux accros, c'est bon. D'accord. Okay. Quel est ton rôle? Tous ou juste celui où je suis censé être un petit peu tout. Cadreur, assistant cam, machino... un petit peu tout, c'est ça qui est bien. Je touche à tout. Ambroise est un réalisateur exigeant. Oui, exigeant, mais ça vaut le coup. Je pense que le résultat y est, donc c'est le principal, je pense. Hein. Le principal, c'est que le film soit bien, que les plans soient beaux. Donc voilà, après, si l'exigence sur la technique, c'est normal, quoi. On n'a rien sans rien.
comme on dit. Est-ce que tu prends du plaisir à diriger? Moi, je ne peux pas me passer direction d'acteur. Après, c'est vrai que je prime d'abord sur le... Je préfère qu'on recommence... Je peux recommencer 25 fois une séquence, ou un plan, pardon. Je peux faire 25 prises, mais si ça concerne le jeu. Techniquement, non, je préfère qu'on prenne du temps avant, mais une fois qu'on joue, on joue, et pour moi, la technique, il n'y a plus rien à bouger après. Ou le minimum. Mais non, pour moi, c'est primordial. D'abord, je vais l'acteur. Est-ce que tu le vois droit, là, tu l'avais de la bas droite ou de la bas gauche? Quand t'as ouvert la valise, il y avait la bas gauche. Là. Juste, à bientôt. Commissaire. Ah, j'ai déjà fait aussi, c'est pour aller vite parce que j'avais pas les gants, j'enlève le t-shirt. Ouais. Non, c'est très dur le cinéma. Ils sont pas là. C'est une, concentration de tous les instants. Allez, montre à Thibaut. S'il te plaît, assez vite, c'est vraiment ça. Hein. Fait chaud. Ça et ça. Très serré là-dessus. Après, quand je suis comédien, c'est autre chose. Quand je me mets en... J'ai une espèce de schizophrénie qui est que je fais la part des choses. Quand je me mets en tant que comédien sur mon projet, quand je suis comédien, je suis comédien. Je dirige avant. Par contre, quand je joue, je joue. C'est pour ça que j'ai toujours Mike Kissem, qui je coécris, mais qui est toujours avec moi sur tous mes tournages, parce que, enfin, à partir du moment où je suis à l'image, parce que c'est elle qui prend mon relais au niveau de la direction d'acteur. Tout l'aspect technique, je le règle avant. Je mets quelqu'un une doublure. On règle tout ce qui est problème technique. Une fois que c'est validé et que c'est réglé au millimètre, mon cerveau part sur l'aspect comédien et je me mets à l'égal de tout le monde. Je fais d'abord l'autre plan de rue avant de faire le travelling. D'accord. Dans 4 heures, il fait nuit. Sans vouloir foutre la pression. La gestion du temps, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où quand tu as vraiment envie de faire tout ce dont tu as envie, tout ce que tu as prévu comme plan artistiquement, esthétiquement, et que tout le monde soit content, parce que le but, c'est pas juste que toi tu sois content, c'est que le chef-op qui fait ta lumière, vu comme je suis maniaque et je lui dis je veux précisément ça, avec derrière juste une traînée, pas plus, je veux rien d'autre, ou vraiment un vrai contraste, etc. Je suis assez content quand ils arrivent, eux, à prendre du plaisir avec mes exigences. C'est-à-dire, eux, ils vont jouer sur la couleur, sur telle forme de d'halo, et qu'ils s'imprègnent de mon univers. Ouais, pour les deux, c'est la meilleure. Et que j'aime bien aussi quand il y a mon chef-op qui est pas content. Qui est là, on tourne, il regarde, il fait ouais, ouais. Je fais mais quoi? Il fait non, mais c'est pas grave, faut avancer. Je fais non, faut avancer, qu'est-ce qui va pas? Non, mais j'aurais bien fait ça. Je fais ok, on met en pause, tu prends 5 minutes, tu le fais. Après, comme il n'y a pas de. Comme tout le monde est bénévole, la gestion du temps, ça n'est que. Le seul souci, c'est le temps pour dormir, quoi. C'est juste qu'il faut dormir, il faut manger, il faut bien manger et bien dormir pour que ça dure. Après, ça dure 3 jours. Et ceux qui souhaitent faire ce métier-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Travailler, c'est juste une notion de travail. Faut pas avoir peur de travailler. Tout, de toute façon, tout ce qui est métier artistique correspond à du travail. C'est comme aussi absurde que devenir danseur sans prendre des cours de danse. C'est absurde. Le métier de comédien, c'est pareil. Je trouve pas ça logique de réussir. Enfin, il y en a, c'est très bien, il y en a qui ont un don, tout ça, etc. Mais je trouve que c'est important d'apprendre son métier avant de le faire. En plus, pour moi, un réalisateur, ça doit être quelqu'un de polyvalent et pas quelqu'un qui est juste bien entouré. J'ai fait chef-op ou chef déco ou assistant réalisateur sur plusieurs tournages. Seulement ça, pour pouvoir m'armer de ces différents métiers. Pour moi, un réalisateur, c'est quelqu'un de polyvalent qui connaît tout, en fait. Pas juste quelqu'un qui est là et qui, ouais, mais j'ai un bon chef-op, ouais, j'ai un bon premier assistant, mais qui connaît pas trop ce qui se passe. Moi, ce que j'aime bien sur un tournage, c'est de pouvoir avoir un problème et que je saurais de toute façon le résoudre. Tu vois, d'avoir ça. Tu fais des propositions qu'on ne peut pas faire. De quoi? J'avoue, les boules, tu viens de dire un truc, c'est super. Mais on ne peut pas le faire. Non. Bah non. Non, on en a d'autres. Tu redoules quand le mec a la lumière qui dit ouais, mais ça, tu vois, je peux pas. Ouais, mais si je mets mon cadre là, si tu mets ta lumière là, si tu mets ton contre là, et puis avec ta diffuse là, c'est ce que ça marche. Ouais. Voilà, tu te mets un petit HMI devant, et puis le tour est joué. Ouais, c'est vrai, on peut le faire un peu d'autre. Donc c'est toujours... c'est rassurant, je crois, aussi, pour les techniciens. D'avoir juste quelqu'un qui connaît son métier et qui sait de quoi il parle, qui s'est formé. Moi, je suis pas réalisateur. Je dis toujours, je fais de la réalisation. Le jour où je ferai de la... justement, où je serai réalisateur, où je gagnerai ma vie là-dedans, et que j'aurai à mon actif 50 clips et 40 longs-métrages, oui, je me permettrai de dire que je suis réalisateur. Ah, c'est bon ? Tu suis son mouvement, je lui ai dit d'aller plus lentement. Allez, répétition, silence, action !
Il faut pas se battre pour être le meilleur. Il y en aura toujours quelqu'un de meilleur. Après, il y aura toujours quelqu'un de moins bien. Mais il faut se battre pour ses convictions, pour ses idées. Pour ses convictions, c'est très important d'avoir des convictions artistiques. Et même psychologiques, tout ça. De te battre pour qu'on ne te les enlève jamais. Parce que toute ta vie, on te dira toujours, c'est des conneries, tu penses pas bien, que nanana, que ça, il faut que tu te calques à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Le truc, c'est que si tu es vraiment... si tu as vraiment une philosophie de ce métier-là, voilà, c'est aussi faire ce métier-là par philosophie. Tu fais pas ce métier-là pour être connu. Tu fais pas ce métier-là pour enfin, tu peux. Après tout, c'est pas critiquable, mais... Ou socialement, pour rencontrer des gens, non. C'est une vraie philosophie, c'est... Ça fait partie de toi. Ambroise, est-ce que tu peux nous dire le meilleur souvenir de ta carrière ? Non. Non, j'en ai plein. Le meilleur souvenir ? Allez, si. Mais c'est pas en exerçant mon métier, quand même. C'était le jour où j'ai annoncé que j'étais pris dans cette série dans le sud à mes parents. Voilà. C'est très rigolo parce que je ne leur avais pas dit. Je leur ai gardé jusqu'au bout la surprise. Et je leur avais dit, ouais, normalement, c'est pas bon. Puis je suis arrivé chez moi à la campagne. Je leur ai sorti un gros magnum de champagne. Ils m'ont regardé avec des yeux. Oui. Je fais, bah voilà, comme je vais partir dans le sud, on va moins se voir. Je pense qu'il serait bien de boire un coup. Puis tous les deux, les larmes aux yeux. C'était une image très, très jolie. Et tu dis, c'est aussi pour ça que tu fais ce métier. C'est con, hein, mais pour la fierté de tes parents, c'est important. Et le plus grand regret de ta carrière à ce jour ? De ne pas avoir le temps de tout faire. Moi, j'aimerais bien avoir 3 vies, j'aimerais bien avoir le don d'ubiquité pour, pour faire juste 36 projets en même temps. Malheureusement, on n'est pas des machines, on est des êtres humains et c'est bien le problème. Le regret, c'est de ne pas avoir le temps de faire assez de choses. Moi, j'ai déjà 30 ans et je trouve que je suis à la bourre, j'aurais dû faire déjà plus de choses. Si tu devais partir sur une île déserte, qu'est-ce que tu emporterais avec toi ? Il y a plusieurs choix. Je pense déjà un de mes meilleurs amis, déjà. Je ne sais pas si on a le droit. C'est un de mes meilleurs amis, alors là, c'est comme si, c'est un peu comme là, en fait. C'est tellement... on peut être dans un endroit où il y a 10 000 personnes. Si je suis avec mon meilleur ami, c'est comme s'il n'y avait personne d'autre. Donc c'est pareil. Sinon, je pense que j'aurais besoin d'un, si on a le droit, de petites choses, c'est au moins un crayon ou une feuille. J'ai besoin d'écrire quand même, c'est un besoin que j'ai tout le temps. Bon, c'est pas très original, je pense, mais... Ou une fenêtre, un truc qui n'a rien à voir. Voilà.